Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'il n'y a pas de problème de son. Ok, nickel. Normalement, donc là je viens de vérifier, vous m'entendez. Normalement, vous devriez entendre la musique aussi. En tout cas, j'espère, même si vous ne l'entendez pas très fort. Et donc, aujourd'hui, c'est la suite de Minecraft 100%. Je devais streamer hier, mais j'ai pas streamé pour deux raisons. La première, c'est que je me sentais pas très bien. Et la deuxième, c'est que on a dû migrer le serveur. En gros, je vous explique. C'était Pac qui payait le serveur avant et le paiement arrivait à son terme. Enfin, il payait plus, donc du coup, le serveur allait fermer. Et du coup, j'ai récupéré les fichiers de la map pour pouvoir justement que tout refonctionne. Alors là, je suis en train de prier très très fort que le stuff que j'ai laissé dans l'autre jour n'ait pas disparu. Pour des raisons évidentes, c'est que... Ah putain, ouais, merde, j'avais oublié ce détail. Faudrait que je réussisse à buter un Enderman pour récupérer des perles. Oh, ça va être la merde. Aïe, 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 aïe. Ça va être chiant. Putain, je veux quand même pas péter un Enderman avec une épée en bois quand même, c'est cringe. Ça va être cringe as fuck. Oh, ça va être trop cringe. Oh, ça va être oméga cringe. Attendez, je peux le son du jeu aussi? Si, le son du jeu normal. Ouais, l'arc avec 10 de durabilité, trop bien. Du coup, je vais essayer de buter un Enderman pour récupérer des perles, parce que sans perles, je peux pas aller dans... Si j'ai pas de perles, je peux pas aller dans les îles éloignées, et si je peux aller dans les îles éloignées, bah... Aïe. Je peux éviter de prendre des dégâts pour rien, ça m'éviterait d'être trop en galère. J'espère que ça va pas trop laguer, qu'il y aura pas trop de problèmes. Voilà, j'ai setup mon point de spawn. Attends. Bah. Quoi? Ok, il y a un problème. C'est pas normal, ça. Il y a un petit problème technique. Il y a un gros problème. Putain, merde. Je dois bdouiller avec les dossiers là-bas parce qu'il y a vraiment un blème, là. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça fait ça, cette merde-là? Pourquoi l'end, il est pas bon? On a un problème technique là. Réglage du serveur. Attends, je vais retourner sur la console et je vais faire redémarrer le serveur. Peut-être que ça redémarrera correctement. L'end, il est même pas pareil. Et il y a un problème, l'end il est pas bon là. Putain. Attendez, on va faire un truc. Merde. Et que je vais me suicider. Il faut que je refasse un truc avec le serveur parce que là le serveur ça va pas. Je fais réinstaller le serveur. Parce que là, du coup, il n'y a rien qui va, c'est vraiment le gros bordel. Gestion des fichiers. J'ai potentiellement fait de la giga merde, hein, mais... Je suis en train de réinstaller les fichiers du serveur sur la console et je prie pour que ça marche. Alors quand je dis la console, je joue sur PC, hein, mais en mode genre sur la... Bref, m'entends quoi. Bon, pour le moment c'est un peu le bordel. J'espère que tout va marcher. Et pour le moment c'est bizarre parce que l'end est pas bon. Ah, putain, s'il manque des trucs à la map, je vais péter un plomb par contre. No troll. Parce que l'end de base qu'on a, l'île principale, elle est un peu nulle à chier. Mais
Après avoir pris la passerelle, il y a genre une cité laine qui est genre vraiment à côté. J'aurais aimé recréer le serveur avant que l'autre map disparaisse pour être sûr, au cas où qu'il n'y ait pas un problème. Comment ça, il veut pas me l'extraire? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce que je suis en train de branler? Je crois que j'ai fait de la merde. Je suis potentiellement en train de faire de l'énorme merde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors vous voyez pas ce qui se passe sur mon écran parce que là je suis en train de bidouiller avec le truc là, mais je suis en galère. Je suis vraiment en galère. Allez, s'il te plaît, le jeu, casse pas les couilles, sois sympa. Enfin, pas le jeu, mais s'il te plaît, le truc, sois sympa. Oh, ça craint. J'ai pas envie de vous montrer, mais... Oh, je crois que j'ai fait de la giga merde. Elle est en train d'extraire les fichiers de la sauvegarde que j'ai récupéré l'autre jour. J'ai l'impression que ça... Et comment ça, request failed? Et ta grand-mère aussi? Pourquoi y a ça? Peut-être faut démarrer pour extraire. Oh putain, s'il te plaît, le jeu soit sympa, je t'en supplie. Enfin, le truc soit sympa. Fonctionne correctement, I beg you. I beg you de fonctionner. J'ai envie que ça refonctionne. J'ai vraiment envie que ça fonctionne. À l'heure, il a bien voulu me les extraire. Pourquoi il voudrait pas cette fois-ci? Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis en train d'espérer très fort que tout refonctionne correctement. Parce que migrer de serveur, c'est... Mais comment ça? Comment ça, il veut pas, frère? Ta grand-mère! Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb, les gars. Pourquoi il veut plus? T'as l'heure, il me l'a fait. Pourquoi il veut pas, frère? Non, c'est trop, les gars. Mais comment ça, tu veux pas, gros? Tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je crois que j'ai fait de la merde. Je crois que j'ai fait n'importe quoi et que c'est mort. Ah! Bah c'est bon, il a réussi, là. Ok. Bon, bah là, maintenant... Non, on va relancer et prier pour que ça marche. Là, on va prier très très fort pour que ça refonctionne. Oh, comment je sens que ça va pas marcher. Je sens que j'ai fait n'importe et que ça va pas marcher. Oui, j'accepte le règlement. Allez, fonctionne, je t'en supplie, fonctionne, 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 fonctionne. Ah mais du coup il va me... Oh j'espère qu'il va pas me remettre à l'autre bout de la map sinon je vais péter un plomb. Ok normalement le serveur fonctionne. Ok. Pourquoi je suis là sans stuff aussi? Ok alors ça c'est bizarre. Ah on dirait que ça a fait un rollback.
Alors ça, c'est très amusant. Ça a fait une sorte de rollback. Aïe. Alors là, on va juste faire une expérience. Est-ce que l'end est dans est bien ou pas? Mais si... Mais je comprends pas pourquoi l'end serait pas bon. Yes! Yes! Ok! 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 L'end est bon, les gars. L'end est bon, le truc... Il y a la passerelle. Let's go! Let's go, putain, c'est bon. Ok, bon, mais en même temps, il me faut une épée. Hasta la vista, baby! Ok, ça marche. Putain, je suis trop con... Je suis trop content. Désolé, je mange un petit peu parce que j'avais la flemme de prendre un repas normal. Du coup, je grignote. Désolé. Là, ça se voit que j'ai plus l'habitude de jouer à Minecraft parce que la sensibilité de la souris me fait bizarre. Bon, il faut que je réussisse à récupérer 2 enderperles. Il m'en faut une pour aller dans la passerelle. Et une deuxième pour atteindre là où j'ai besoin d'aller. Minimum, hein, vraiment, si on est gentil. Ok, putain, j'ai eu trop peur, sa mère. J'ai vraiment cru que ça allait pas marcher. Ah, merde. Genre, je voulais prendre des planches avec moi pour me... Ok. Bon, bah, il y a intérêt à être bon, hein. Alors, j'ai pas d'armure, du coup, je me fais trichot. J'ai une épée en bois. Je crois qu'un Enderman, si je dis pas de conneries, ça doit avoir quelque chose comme 40 HP. Je vais vous vérifier pour pas dire de conneries. C'est ça, ça a 40 HP. Donc ça veut dire que je dois mettre 10 coups sans en prendre plus de 3 à la fois. C'est impossible, c'est impossible. Mais on va tenter, on est là pour le content, les gars. Déjà j'ai pris un coup, ça te part mal. En vrai, j'ai pu mettre quand même pas mal de coups, mine de rien. Ok. Je lui ai mis je sais pas combien de coups. Imagine, je tape pas le bon après. Elle est où mon épée? Elle est où mon épée? Ok, elle est là. Oh, merde, c'est lequel? Oh, je sais pas c'est lequel. Ça va être trop long. Je crois que c'est pas lui, hein. C'était pas lui, hein. Aïe. Oh, il a pas drop. Mais regarde, l'épée, elle se fissure en 2 secondes. Oh non, ça va prendre 1 million d'années de farmer ses perles. Impossible, frère, c'est vraiment impossible. C'est, je vous le dis les gars, je pense que c'est pas possible. Ça va prendre 2000 ans. La bonne nouvelle, c'est que techniquement, je dis bien techniquement, les chunks sont pas chargés. Mais bah ça va être un enfer en fait. Ah là, les gars, je vous dis, je vais prier, mais prier plus, là. Hein. Faut que j'arrive à obtenir 2 perles. 2 perles. Je fais comment, moi, pour obtenir 2 perles? Ça va être impossible. En vrai, peut-être qu'on peut faire la même technique que pour les golems, à savoir, genre, t'en tapes un, et tu te mets au sommet d'un pilier, et peut-être ça marche. Faut que je teste. Faut que je teste si cette technique marche, mais je sais pas si j'ai le temps de mettre en place le pilier. Elle est où, mon épée? Bravo, j'ai réussi à paumer mon épée.
Oh, ça marche, il peut pas me taper. Ah, il m'a tapé. Et vas-y, c'est trop dur, gros. Il est où? Derrière moi. Mais c'est trop broken! Putain! J'en peux plus, frère! Pourquoi on peut pas voir les barres d'HP des mobs dans ce jeu? Ce serait tellement plus simple. Comme ça, au moins, je saurais lesquels j'ai déjà tapé et ça me ferait gagner du temps. Je vais jamais y arriver, les gars. C'est trop, trop chiant. Et après, il se casse. Je sais même pas où il est, genre. Oh putain le... Mais... Il est où? Un peu de chance, s'il vous plaît. Yes, il y en a enfin un qui a drop. What? Allô, y a quelqu'un? Tu branles là, abruti. J'avais envie. T'as envie de me faire peur? Bon, tout de suite les grands mots. Je t'ai fait peur, Vincent. Non, ça va. Ah là, je suis en stream sur Minecraft. J'ai vu ça. Ah, je suis en train de faire le gros débile. Je sais pas si t'es sur mon stream, mais... Non, Minecraft ça m'intéresse pas. En gros, la dernière fois, je suis mort dans l'end. Et pour récupérer mon stuff, je dois récupérer des underperles. Sauf que j'en ai plus en stock. Du coup, il faut que je bute des Enderman pour récupérer des perles. Ah, vas-y, il a pas drop ce bâtard. Il a
pas un qui veut croiser mon regard là? Et ça dit de beau de ton côté? Pas grand chose, pas grand chose. J'ai cru que t'étais reparti. Tu joues à FIFA? Non, je peux pas jouer à FIFA parce que le jeu a décidé que. Comme le jeu est sorti à 19h et qu'ils ne savent pas avoir des serveurs stables, bah depuis 19h il est impossible de se connecter au serveur. J'ai préparé plein de packs et tout, j'ai plein de trucs à ouvrir. Je peux rien faire. Sage. Autant te dire que actuellement je suis très colère. Et toi que là je m'éclate à tuer des Enderman à l'épée en bois et sans armure, j'en ai tué 5-6, y'en a qu'un seul qui a drop, j'en ai tout cassé, il me faut deux perles. J'imagine. Le machin il a 40 HP, je mets 4 dégâts par coup si je séquence bien mes coups, ce qui n'est pas le cas. Au moins, je suis content de voir que le serveur fonctionne. Par contre, j'espère que les entités, c'est-à-dire tout ce qui était au sol, ça n'a pas disparu quand on a remigré le serveur. Parce qu'on a dû le changer. Et j'ai peur que le stuff que j'ai perdu la dernière fois n'existe plus. Mais bon, sait-on jamais. Je vais être surpris. Non mais frère. Quoi ? L'Enderman, il triche. Il a un bras extensible, c'est pas possible. Je n'en reviens pas en fait. Ouais, j'ai lancé le stream, j'ai regardé, j'ai rien vu de choquant. Après. C'est. D'habitude, j'arrive à intercaler des coups sans m'en prendre, mais genre lui, il m'a mis 4 coups sans que je puisse rien faire. J'aurais bien aimé lui mettre un crit lui. Si je suis positionné du bon côté, il pourra pas me faire chuter. Donc, sache de quel côté il va apparaître. Ah putain, il est là. Parce qu'il y a un monde où il peut réussir à me taper. Et s'il me tape, il me fait forcément tomber. Putain, le bâtard! J'ai cru qu'il y avait. Allez, meurs! T'as pris 12 coups déjà. Yes! Ok, il a drop. C'est le moment de vérité, c'est le moment de savoir si mon stuff est là ou pas. Et c'est là, moment de solitude, je rate ma perle dans le truc et du coup je dois en refarmer une. Elle me saoule cette dimension. Au moins tout est en ordre ici, c'est déjà ça. Alors celle-là, j'y avais pas pensé. Bon bah, nique sa mère. Je vais devoir aller me rechercher du stuff, putain. Là j'ai un énorme moment de solitude, je sais pas à quel je peux t'en rendre compte, mais j'ai un seum monumental. Je t'ai vu mourir de ta perle, ouais. Ah putain. C'est qu'en plus, genre j'ai pris je crois 3 coeurs de dégâts en passant dans la passerelle et puis après j'ai réfléchi, je me dis attends une minute. Si je lance la perle là, je vais crever. Oui, parce que la perle t'inflige des dégâts. Des dégâts de chute pour être précis. Donc si ta chute amortit 4 sur tes bottes, tu réduis grandement les dégâts que t'infligent les perles. Merde. Ouais, le bruit était bizarre, je sais.
Tu fais quoi du coup? Tu fais la TFT? Ouais, là j'ai lancé une TFT. T'as un objectif à atteindre en TFT? Non, là je joue au mode de temporaire. T'aimais bien ce set là, toi? Bon, spécialement, c'est juste par principe que ça fait jouer à autre chose et du coup ça lassera moins vite du set actuel. Je vois, je vois. Je crois que c'est le set que j'ai le moins joué, celui-là. Peut-être que le set 3 m'avait dégoûté. Et que du coup, bah, j'avais pas beaucoup joué à celui-là. Parce que je me rappelle, quand tu me l'avais présenté, ce set, tu m'as dit... ouais, c'est un peu con dit comme ça, mais c'est un peu l'opposition entre la lumière et les ténèbres. Ouais, parce que c'était Garen contre Darius et tout, je crois. Ouais. Oh, y'a un Enderman là-bas. Bon, bah, on va récupérer du stuff qui traîne. Un petit casque en fer, un froc en fer, un plastron en fer, et on est de retour en enfer. Lol. Ça va me permettre de mieux tanker les dégâts. Il me faut de la bouffe aussi. À niveau bouffe, on n'a pas grand chose. Ouais. Allez, deux stacks de carottes, ça suffira. Alors, est-ce qu'il est toujours là, Enderman? Ouais, il est toujours là. Oh, my dream, il drop. Ah, merde. Let me the Negatron. Oh, mais je vais jamais avoir ce que je vois. Oh, y'a du lapis ici. Il est où ce débile? Donc je l'ai regardé. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il s'est téléporté. Bref, je sais pas où il est. On va au 9 avec ce board. Ah merde. Ouais, on peut essayer d'aller au 9. Bon, bah moi je suis... Je retourne. Je retourne à mon end. Ah mais oui, je viens de capter un truc, c'est que je suis en mode difficile. Attends, j'ai réactivé le mode difficile ou pas? Je sais plus si la difficulté de base elle est facile, moyen ou difficile. Tu me diras, le seul truc que ça change, la difficulté, c'est... en dehors des dégâts que les mobs te mettent. Ouais, mais j'ai dû bidouiller un peu parce que là, il était pas en place, pack. Et je galère comme un trou de balle. What? Même si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. J'aimerais bien récupérer mon stuff, parce que dans le stuff que j'ai paumé la dernière fois, il y avait des diamants. Il y avait des carapaces de shulker aussi. Bah, l'end au début, était pas bon. Du coup, j'ai fait réinstaller le serveur. Et ça a marché. Donc bon. Attends, quoi? Ton live 72 heures? Tu vas dormir entre deux ou tu vas faire deux nuits blanches? Parce que si c'est le cas, t'es vraiment un fou furieux, mec. Hein. Je te le dis, t'es vraiment un malade mental. On ça 72 heures, mais il s'en fout, lui. J'aurais peut-être pu récupérer une hache quand même.
Bon, ça ira. Je vais dormir 3 heures entre chaque stream, impossible de tenir 72 heures. Oui, oui, je te confirme, c'est pas possible, ouais. De quoi c'est pas moi? Ah, c'est pas toi qui a lancé l'idée? Quoi? T'as 75 subs? Quoi? Attends, t'as... là actuellement t'as 75 subs, tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Enfin, tu me diras tout est possible, mais choc barre de baiser, c'est le cas. Wow. Pas mal, là, toi, compo trublion, fils de ta. T'as un problème avec les compos trublion? Non, je l'ai fait top 1 avec tout à l'heure, c'était ridicule. T'as joué en combien? En 8, j'ai une spat. Timo, c'est vraiment fort comme unité en trublion? C'est pas mal, ouais. T'as reçu 56 subs hier, mais putain, je veux les mêmes viewers que toi, moi. Bon, après, tu me diras, ça demande de faire des choses qu'il faudrait que je fasse. Bah franchement, et du coup tu t'es chauffé, tu t'es dit je vais faire les 3 fois 24 heures à la suite, d'accord. Et bah t'as arrêté quand même un gros fou furieux. Et j'ai jonglé avec lui, d'ailleurs. Faudrait que ma vie elle remonte. Ouais, du coup, pour quand j'irai la fois d'après dans la passerelle, je saurai qu'il faut que je fasse gaffe. OP, Viego. Du coup, pour finir, je suis pas allé aux échecs aujourd'hui, je suis allé chez Vu. Et au fait, demain, je sais pas si t'as l'info, mais c'est 19h30, Adri. Tu viens avec les darons, non? Ouais. Vous venez à 5 dans la même voiture? Non. Ma soeur, elle vient de son côté. Je remercie Adresson, t'offre du content. Ah ouais, non, mais là, content... Oh yes, on a enfin un qui a drop. Alors, tu sais, y a pas que les lives 24 heures comme type de content, hein. Tu peux faire autre chose. Tu me diras, si t'écoutes Hetman, tu peux faire des... comment ça s'appelle? Les trucs, t'es dans une piscine, là. Les hot tubs. Ah, je te laisse, je vais streamer le match de Paris sur mon Discord pour DD. Ça roule. Ah, il va me buter, c'est un normal match, je le sens. Oh, ok, il m'a pas eu, mais il m'a mis cher. Là, je pense que deux stacks de carottes, ce sera pas assez, hein. J'aurais pu prendre un saut de lave, ça aurait peut-être été plus simple, en vrai. J'aurais même pu prendre un saut d'eau, en fait, pour me protéger. Je suis pas très malin, en fait. Et ouais, en tout cas, il faut que je fasse... Il y a des trucs que j'ai prévu de faire. Ah, il y a la Dirt et la Landstone ici. C'est vrai que c'est moi qui ai dû les mettre ici.
Et le truc que j'ai prévu de faire aussi, il faudrait que je fasse mes... tu sais, mes... C'est pas la bannière, c'est les trucs que tu vois en bas là. Les panneaux Twitch, faut que je vois, parce que Brony a dit qu'il allait m'aider, mais je sais pas s'il va vraiment le faire, dans le sens où comme il est très occupé, il a peut-être pas que ça à foutre. Et du coup, bah s'il a pas que ça à foutre, bah je vais peut-être me démerder autrement. Et une fois que c'est fait, il faut aussi que je fasse tout ce que je dois faire pour migrer sur OBS Studio. Et une fois que c'est fait, il faudrait que je fasse une vidéo, tu sais, la vidéo de présentation de la chaîne. Et je pense que comme ça, au moins, ça sera pas mal. Ok, nice, une deuxième perle. Pourquoi tu vas le commencer là, ton live 72 heures? Au fait, quand est-ce qu'on flex avec la team? Ah, ok. Ok, nickel. Non, quoi? C'est une plaisanterie. Je vais péter mon crâne. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi il me chase, ce con? Mais qu'est-ce qui branle là, ce fils de pute? Qu'est-ce qu'il me veut? Non, 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 là c'est trop. Non, là par contre, j'accepte pas. Je sais même pas pourquoi il m'en veut. Alors là, je suis désolé, hein, mais il y a un moment donné, je veux bien faire un effort. Je veux bien faire un effort, mais il y a un moment donné. Alors je veux bien faire un effort, mais il y a un moment donné, faut que le jeu il arrête de se foutre de ma gueule. Je sais même pas comment j'ai l'aggro. Donc il y a un moment donné, on va. Moi, j'appelle pas ça de la triche puisque le jeu me scam. Donc, il y a un moment donné, moi. Alors, j'ai fait des efforts, j'ai farmé des trucs à la main. Il y a un Underman qui m'en veut, je ne sais pas pourquoi. Donc, non, il y a un moment donné, il faut aller se faire foutre. Donc, je vais récupérer mon stuff bien gentiment. Et voilà, il y a un moment. Parce que, à un moment donné, genre, il faut peut-être arrêter de se foutre de ma gueule. Ah, tiens, c'était là que j'étais mort. Ok, mon stuff est là, très bonne nouvelle. Bon. Dans un souci de j'ai vraiment peur que tout despawn, je me remettrai en survie après avoir tout récupéré. Je suis content que mon stuff ait pas disparu parce que j'aurais eu un seum monumental si mon stuff avait disparu. Ok. Ok, on va pouvoir continuer. C'est très bien. Tac, tac, tac. Je vais récupérer mon seau avant qu'il disparaisse. Voilà. Là, on est bon, là. Bon, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases maintenant. J'ai qu'une boîte de shulker. Ok. Je prends mon bouclier. Pourquoi j'ai deux trucs en diamant? Ah oui, d'accord, j'ai deux trucs en diamant, d'accord. On va remettre là-dedans tout le stuff qui sert à rien. Ça, c'est mon stuff. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les diamants, on va le mettre à l'intérieur. Les bannières, on va les mettre à l'intérieur aussi. Les lingots, mettre à l'intérieur. Ça, on peut garder, c'est pas gênant. Les perles, je les garde sur moi. Je vais remettre ça à l'intérieur.
Bon. Ok, là tout est bon, ça fait plaisir, on va enfin pouvoir rester sur des bases solides. On va pouvoir reprendre le jeu là où on s'était arrêté la dernière fois. Ouais, désolé, ça marche. Bah, du coup, je sais pas si t'es déjà parti, mais à plus. Il fallait absolument que je règle ça parce qu'il y avait une injustice qu'il fallait réparer ici. Je voulais absolument réparer cette injustice. Alors autant je veux bien être de bonne foi et tout et dire ok bon j'ai la première fois d'accord j'ai merdé mais après bon je suis revenu ici j'ai farmé les perles et tout genre j'ai... Casse-toi. Il y a un moment donné fallait que le jeu arrête de se foutre de ma gueule parce que c'était trop là. Bon, du coup, je vais finir de loot cet endroit. Et une fois que j'ai fini de loot, je retournerai à la base, entre guillemets. Attends, mais pourquoi ça, c'est là? Comment le truc est... Et cette espèce de tour, là, où t'as vraiment la phase où t'as un milliard de shulkers qui peuvent te tirer dessus dans toutes les directions. Le fait qu'on voit le shulker avec les particules de lévitation, ça me met bien. Aouh. Alors je sais plus où est-ce que j'étais allé. Aïe. Tout en haut, là, il y a quelque chose ou pas, je me rappelle plus. Je crois que j'étais déjà allé tout en haut, mais je suis pas sûr, j'ai un doute. Là-haut, j'étais pas allé, il me semble. J'ai un doute sur est-ce que j'étais allé par ici ou pas. S'il y avait un moment donné où je... Alors, il y avait un Enderman qui m'avait aggro, et c'était parti en couille. Je crois que cette tour, elle me dit quelque chose. Je suis probablement déjà venu dans cette tour. Je crois que c'est une des tours que j'ai explorées justement en deuxième. Ah oui, j'ai des PTSD de cet endroit. Et donc là-dedans, il n'y a rien. Ah merde. Ah ouais. J'étais déjà allé dans cette tour. De toute façon, il faut rechecker toutes les tours une par une et voir si j'y suis. 1, 2, 3. Si j'y suis déjà allé. Je crois que ouais, je suis déjà allé dans cette tour. C'est pas celle-là où j'ai enlevé les drapeaux. Ouais, je crois que c'est celle-là où j'avais enlevé les drapeaux et donc j'étais pas allé tout en haut de cette tour-là, il me semble. Possiblement, c'est ça, quoi. Ok... Monsieur, je vérifie comme ça, je pourrais vérifier que j'ai tout et qu'il n'y a rien qui manque. J'avais foiré le jump, heureusement, tout s'est bien terminé. Hop là, hop là. Ok, là, on se refait pas avoir, on peut pas passer du coup.
On fait la technique de la source d'eau. Nice. J'ai récupéré pas mal de shulker box, ça fait plaisir. De carapace de shulker, ça fait plaisir. C'est cool. Oh nice, c'est exactement là où je voulais l'envoyer. Ah, il y a des coffres ici, j'avais pas visité cette tour. Oh, la bonne pelle! Ça, c'est la pelle qui pèle. Ah! Ils sont pénibles. Ça tabasse hein, par contre hein. Faut dire les termes les perles quand on lance une ça fait mal. Ok, il y a des trucs ici. Que je me fasse oublier un peu, ils sont vraiment collants ces shulkers. Et putain, mais vas-y me. Elle est là, fais chier. Putain, j'en ai marre. Quoi ? Oh putain. Je reloue les shulkers quand même hein. Bon on est reparti hein. J'en peux plus hein, vraiment je vous dis j'en peux plus. Ils sont insupportables. Yeah.
Quoi? Putain. Je peux être tranquille 2 secondes ou... Putain, j'en peux plus, frère. Mais ta grand-mère, bordel! Fous-moi la paix! Foutez-moi la putain de paix! Lâchez-moi! Je me fais cyberbully! Tu vas te crever, toi. Ah, enfin! Il est là, il y en a un là. Ils sont vraiment insupportables. Ben, c'est pas de tout repos, hein. C'est pas de tout repos, cette expédition. Par où qu'il faut aller déjà? Pourquoi il y a des... Je sais pas. Bon, pour éviter d'avoir des problèmes avec les Enderman, regarder le sol, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de problème. Ah putain, quel bordel, je vous jure. Quel bordel, les mecs. Ok, la passerelle est là-bas. Ce qui serait beau, c'est que j'arrive à la voir direct, mais j'y crois pas une seule seconde. Hein ? Oh ouais, il y a un monde, hein. Bon, on va prendre... La potion de chute lente. MDR. Oh le génie. Oh. OMG. Ah purée. Eh ben ça s'est plutôt bien passé. C'est cool.
enlever ces petits piliers à la con là. Je vais récupérer ça. Eh les gars, je vous le dis, ça m'a épuisé cette expédition à la con là. Mais d'un autre côté, j'ai envie d'y retourner. J'ai un peu maso, moi, je crois. Bon allez, en route, on retourne à la maison. Un zombie. Je savais pas qu'il y avait un lac de lave ici. J'avais jamais vraiment fait attention d'ailleurs. On me demande s'il va y avoir des fantômes. Je sais pas si le compteur de nuit s'est reset ou pas, j'en ai aucune idée. Putain de... Ah. Ah. Oh, ça m'a fait méga peur, ça m'a surpris de zinzin. Ouais, je sais, j'ai hurlé pour 3 fois rien, je sais, et alors? Oh, sa mère. Eh, Minecraft, c'est censé être un jeu détente à la base. Hein. Moi, je me mets à hurler, je me mets à être surpris, je me mets à me chier dessus lorsque... Y'a qu'à moi que ça arrive, ça, mais bon. Ouais, on arrive à la maison, super. Nous voici à la maison et on a déjà une shulker box. Je pense que les shulker box, je vais les mettre genre à disposition quelque part. Ici, on va faire une rangée de shulker box. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée, mais... Parce qu'au total, il y a 17 shulker box possibles.
Ouais, on va dire là c'est bon, c'est quoi? Alors, bam, bam, bam. Alors, des diamants. On a 7 de plus, des lingots d'or, des lingots de fer. Les fioles vides, on va les remettre là-haut. J'avais un coffre avec des fioles. Ah non, c'est les fioles d'eau, c'est pas des fioles vides. Ici, on va mettre tac. Un coffre de l'Ender. Ah merde, du coup, il n'y a plus d'énergie. C'était pas très malin. Ça, hein. 4 nouvelles shulker box et on va leur ajouter des teintures. Moi j'aime beaucoup le violet. On va faire du colorant violet, pas avec des bleus mais avec du lapis lazuli, parce que lapis lazuli a l'avantage d'être une ressource illimitée. Alors bam, boîte de shulker en violet, magnifique. Ensuite, on va prendre une poche d'encre. Poche d'encre là, ça nous fait du colorant noir. Ensuite, on va faire une shulker box noire. On va faire une shulker box bleue. Je suis un trou de balle, je fais n'importe quoi. Une shulker box bleue, magnifique. Et on va faire une rouge, tiens. Et voilà, donc on a violet, noir, bleu et rouge. Nous en manque quand même quelques-unes avant de dire de les avoir toutes. C'est vraiment un très bel objet la Shulker Box, on le dira jamais assez. Les étendards. Où est-ce qu'on a mis ça? On a mis ça là, les bannières menaçantes. Je pense que tout ce qui est bannière, on va mettre ça ici. On va faire ça comme ça. Sans poil, toujours donné en trade. Là, c'est ça que je voulais mettre ici. J'ai galéré. Le chorus, on va mettre ça là. Attends, mais j'avais pas des fleurs de chorus, moi? Ah, elles sont peut-être dans la shulker box. Ok, ça va. Ça va, ça va. C'était dans la shulker box. Bon. Les fleurs de chorus, on va mettre ça là. Je dois avoir un coffre avec de la pierre, il me semble. Ok, ok. Pas évident de ranger tout ce merdier, mais on fait comme on peut. Une fiole funeste, une montre. Alors, on a un coffre ici avec tout ce qui est armure.
T'as le fait que l'armure soit malédiction du lien éternel et protection contre les projectiles, c'est vraiment pour m'abattre. Hein. Le fait qu'il n'y a rien pour briser les malédictions dans le jeu, je trouve ça vraiment con. Putain, la couleur elle ressemble de ouf. J'ai eu un gros blocage pendant un moment. Tac tac tac. Allez bam. Bim bam. Boum. Ça c'est unique mon gars, cette couleur. Mama. Mama la couleur. Oh mama, oh mama, mama, oh mama. Je me demandais, mais attends, on n'avait pas un coffre, enfin on n'avait pas un coffre avec plein de trucs en bambou, si on en avait un. Juste que je le trouvais plus. Ok, ça c'est mon épée, tac. Efficacité 5 sur 3, raconnage. Putain, ça c'est de la pioche, hein. C'est vrai, cette pioche-là, elle est incroyable. Elle est grotesque. Mettre l'épée en bois quelque part, écoute. Ah, en même temps. De forge, on a pas mal de trucs, hein. Ah, idéalement, il faudrait vraiment ranger tout, 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 mais j'ai tellement la flemme. Ça, cette pelle-là, je suis sûr que Bad, il sera très content de l'avoir. Alors, il y a un moment, j'ai vu un trou ici. Non, c'était pas ici, c'était où? Si ça, c'était plus bas. Ouch. Je sais pas pourquoi ça creusait ici, mais en tout cas, ici, il y a du lapis. Pourquoi il s'est creusé ici? En tout cas, c'est récupéré. Putain, j'ai pété 4 blocs, j'ai récupéré 48 de lapis. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est
pas mal, c'est pas mal. Oh, le stack de blocs de charbon. Je suis mort. Bon. C'est pas giga, giga, giga bien rangé, mais... On va faire avec, hein. Il me reste encore des patates. Il y a plus de patates. Terrible, il y a plus de patates. Bah là, il y en a une. LOL. Il m'a drop une patate. Putain, ta grand-mère. Toujours là mon squelette gaucher. Ah ouais, et toujours là le squelette gaucher. Ah oui, il me dit il y a un creep. Toi tu m'intéresses et je compte bien te garder parce que t'es intéressant. Ah, une araignée avec un effet de potion. Voilà. Je vais avoir besoin d'un mec comme toi. Attends, faut que je... J'ai plus de bouffe. Mais voler mon disque. Je crois que je l'ai pas en plus celui-là. Si j'arrive à avoir la collection de tous les disques en un temps record, ce serait vraiment excellent. Ok, nice. Bon, allez, toi, c'est bon, je t'ai niqué. J'ai vu un creeper là-bas. Il y a un squelette pas très loin.
Et nice. Salut les Kouping. Bordel. Tiens, salut toi. Quoi? L'arnaque. Quoi? Je crois que j'ai crit. Je sais pas si les espèces de trous qu'il y a, c'est moi pour faire péter les creepers ou rien à voir. Aïe. Attention. Ah, il y a un golem qui s'est paumé dans l'eau, tiens. Coucou le squelette. Il m'a droppé son arc enchanté, je suis mort. C'est un zombie normal là-bas? Oh non, c'est un villageois zombie! Les clamser. Oh, dommage. J'aurais aimé réussir à le sauver, ce villageois zombie, mais c'est pas grave, j'en trouverai d'autres. Là, il fait complètement jour, ça y est, les araignées ont enfin arrêté de m'attaquer. Je tente très bien de jouer au con, mais j'ai plus beaucoup de points de vie et j'ai vraiment pas envie de clamser. J'ai pas reset mon point de spawn. Salut frérot!
C'est moi, il m'a cassé les couilles. C'est bon, ça m'a cassé les couilles, j'en peux plus. Ils m'ont saoulé, là. J'en peux plus. Ah, c'est la première fois que je tire avec un arc, des barres. Je vous en sortirai le moment venu. C'est vraiment le giga 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 bordel. J'ai pas eu de nouveau disque. Faudrait que je vois lesquels il me manque. Faudrait que je me renseigne un peu sur les disques de Minecraft. Pour savoir lesquels me manquent. Et voici ma promesse. Moi, je veillerai sur vous pour toujours. Endormez-vous dans mes bras. Moi, je veillerai sur vous pour toujours. Pour toujours. Bon, avec ça, j'ai ce qu'il me faut pour faire une autre fournée de patates. Ça va me permettre d'avoir pas mal de bouffe. Parce que la bouffe, j'en ai plus vraiment. Content de manger des carottes. Terrible, hein, on va pas se mytho. Bon, allez, on va chercher de la lave. Comme ça, pour faire cuire tout ça, illico presto. Mon but c'est de réussir à sécher toute la zone qui est là, mais ça va prendre du temps. Je vais y aller dessus. Voilà, tranquille. Et un truc que je trouve bizarre, c'est que j'entends plus grand chose de... J'entends pas le... Ok, ils sont en train de tourner, on n'entend pas, mais ok, d'accord. Ok. Je regardais un truc sur mon tel, voir si... Bon. On va pouvoir faire le coup et les patates. Il fait bizarre depuis longtemps, depuis un moment. Le jeu paraît calme. Trop calme. J'aime pas beaucoup ça, je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
Attends, j'ai eu 5 lingots de feu en tuant les zombies. Non, c'est pas en tuant les zombies, c'est en... Vieille planche de bouleau qui traîne, ça me met bien. Ah là je commence à entendre du son. Ah de la bouffe qui est un peu plus déjà, ça fait du bien. Quel pourrait être mon objectif maintenant? Qu'est-ce que je pourrais faire qui serait un petit peu intéressant? On a des chevaux par ici, dis donc. Merde. Enchantement fortune, hein. Qu'est-ce que c'est trop bien. 49 de charbon récupéré pour à peine 8-9 blocs de détruits. Rentable. Et putain, j'ai refait la même connerie que tout à l'heure, je suis vraiment un golemon. Ça m'extermine la manière dont Bad a défoncé la colline. Ça me fait bien rigoler. Il y a un escalier comme ça, il descend jusqu'où son escalier? Qu'est-ce qu'il a foutu? Faudrait que Bad il s'est fait des petits kiffs. Hein. Hein? Wesh. UDR. Le charbon. Bon, ça c'est bon, ça fait plaisir. On récupère tout ce qu'on peut en termes de minerais, de toute façon, la colline. Voilà. Pourquoi il y a des torches ici? Ça mine jusqu'où là? Ah oui, je crois que c'est moi qui ai mis ces torches là, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Aïe. J'ai vraiment pris les dégâts for fun. Genre de bruitage dans la musique, c'est toujours un peu flippant. C'était ce coffre-là que je cherchais. Face à la mer, je rêve de mourir face contre terre.
je me relève, je prends mon dernier rêve. Tout ça, et à comparaître face à la mer. Je vais pas forcément m'éclater avec les... Wesh! Y'a du monde! J'aimerais voir si je peux pas trouver des mobs un peu originaux. Là, la difficulté régionale, elle doit être bien bien vénère. Du coup, pour trouver des mobs un peu originaux, ça devrait être faisable. Un autre... Ah, putain, mais ils sont plusieurs à avoir une épée, là, les zombies. Elle a un petit flow, cette caverne. Je lui mets des gauches-droites, mon pote. Dinguerie ce que je lui mets. Aïe, merde, j'ai plus de bouffe. Faut que j'aille chercher de la bouffe. Je n'ai plus de bouffe. Oh! Alors toi? Bah de mieux en mieux, tiens. Bah toi, vu comment t'es, je pense que je vais te guérir, toi. Lui, je vais essayer de le guérir, ce sera plus simple et plus drôle. De la poudre de blaze pour alimenter ici, ensuite des fioles d'eau, il m'en faut 3. Un œil d'araignée fermenté, il me faut ça, il me faut un champignon, est-ce qu'on a des champignons? Ouais, il me faut un morceau de sucre, j'en ai un. Un œil d'araignée fermenté. Il me faut... c'est de la poudre à canon, je crois. Potion de faiblesse, magnifique. Et une pomme en or. Une pomme en or, j'en ai une. Yeah.
Salut. Voilà, tu vas m'attendre ici le temps que tu guérisses. Bon bah les gars, je vais... va falloir attendre un petit peu avant qu'il se retransforme. Je sais plus combien de temps ça prend exactement, ça prend entre 5 et 10 minutes je crois. Processus qui est un petit peu long, mais au moins après il va redevenir un petit villageois tout gentil. Alors je voulais la pro... Merde. Oh non mais quel connard. Alors j'aurais bien aimé l'approcher de là-bas, le seul problème c'est que si jamais il croise un golem, le golem va le fumer et ça... Et ça, ça m'emmerderait énormément, donc on va pas le faire. Ah, il tremble, il est en manque de drogue, les gars, c'est... Il veut du cerveau. Bon, ce qui est bien, c'est que même si le jour se lève, comme il a un casque, il craint rien. C'est ça, le... l'avantage aussi. Parce que comme il a un casque, il craint rien. Bah vas-y mon grand, retransforme-toi. Hein. Je veux que tu guérisses. Bon, 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 ça prend un petit peu de temps, les gars. Alors, si jamais vous demandez ce que ça fait dans ce cas-ci, en fait, il va perdre son armure hein, dès qu'il va se retransformer. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive mon grand? Oh ouais, je suis le zombiologue.
je vais en profiter, vu qu'il est là, à disposition, j'aurais dû faire ça avant, je vais faire un pupitre. Il me semble, alors je vais compter, il me semble qu'il y a encore une place. Alors il y a peut-être plus de place en fait, mais on peut toujours en trouver. Ouais, je crois qu'il n'y a plus vraiment de place, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais en profiter pour reset mon point de spawn avant d'avoir des problèmes. C'est la journée là? La chance que les golems soient débiles pour pouvoir faire ça. Ça c'est merde, non, je me suis... aïe aïe aïe, j'ai mes carottes ici. Non mais quelle erreur de débutant. Pomme de terre empoisonnée, aïe aïe aïe. Et voici ma promesse. On va se refabriquer un petit pupitre, les gars. Petit pupitre en légende. Et nous avons donc petite bibliothèque. Ah, la bibliothèque sculptée, c'est avec des dalles au milieu. D'accord. Faudrait que je vois comment on peut se servir des bibliothèques sculptées, parce que je pense qu'il y a des trucs très stylés à faire. Ça a pas utilisé les... Nique ta mère, le jeu. Voilà, je le dis, le jeu nique ta mère. Ah, oh, je suis trop... Putain, j'ai trop le seum. Ouais, c'est rien, c'est pas grave. Y'a air, les gars, y'a air. Pas besoin de s'énerver. What? Alors ça, elle est bien bonne. Je jure, ça, ce dont j'ai besoin. Tu me pètes les couilles et comme ça, si tu meurs, au moins je suis sûr que tu me casseras pas les pieds.
Faut que je check voir ce que l'autre a à me proposer. Enfin, ce que les autres ont en stock. Pour savoir ce dont j'ai vraiment pas besoin. J'ai protection 4, puissance 5, chance de la mer 3, densité 5, efficacité 5, affinité aquatique, tranchant 5, solidité 3, fortune 3, raccommodage à 10. Toucher de soi à 8. Le châtiment 5 peut être sympa s'il me le propose. Châtiment 5 à bon prix, je dirais pas non. Efficacité, protection 4. Tu verras, s'il me donne un tranchant à 16, je vais pas cracher dessus non plus, mais... Oh, il pleut plus. Je vais récupérer la canne à sucre. Plus vite je l'aurai récupérée, plus vite elle repoussera. Et voici ma promesse. Moi, je veillerai sur vous pour toujours. Endormez-vous dans mes bras. Moi, je veillerai sur vous pour toujours. Pour toujours. Efficacité 3, non. Si je le mets là, au moins il pourra pas sauter quelque part. Malédiction de disparition, très drôle. Flot des arthropodes de 3 en plus. Il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que peu importe le livre, il me le proposera toujours à 1. Non, j'exagère, non, j'ai menti, mais il pose quand même des prix très intéressants. Héros, tu veux pas me proposer autre chose, sérieux là? Attends une minute. J'ai un doute là. Et puis je crois que ça va jusqu'à 3, non? Ça jusqu'à 4. Alors en plus j'étais un peu frileux sur cet échange, je savais pas s'il était intéressant ou pas et j'ai eu ma réponse. La réponse est non. Voilà les gars, je commence un peu à fatiguer par contre. Le début là il m'a fou. Bah non. Genre même avec la réduction, j'ai un enchantement qui est moins cher.
Non. Non plus. Allez, fais un effort, mon grand. Tu peux le faire. Recule 2 à 27. Non, mais tu t'es pris pour qui, toi? Explique-moi pourquoi je voudrais mettre malédiction de disparition sur un quoi que ce soit. Faut être patient. Allez, tu peux le faire, tu peux réussir à me proposer un truc bien, vas-y. Bon, efficacité 5, je suis sûr qu'il est moins cher que ça, je crois qu'il est à 18 ou 19. En tous les cas, pour le peu de différence qu'il y aurait, ce serait pas flemme quoi. Frère, 36ème road de base. Non, tu vas te faire foutre, mon gars. J'irai, mon gars, tu vas te faire foutre pour ce prix-là. Tu m'as fait un... J'ai eu un protection 4 à 16ème road. Tu peux bien me faire le même, mais dans un autre format. Infinita à 15, c'est vraiment fou de la gueule du monde. Hein. Se mettre Girant à 20, c'est peut-être un peu du scam quand même. Hein. Ha! 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 Agilité aquatique, je sais pas vraiment si ça vaut le coup de d'investir carrément un villageois pour ça. Hein. Chaque trade est pire que le précédent, c'est une dinguerie, frère. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas d'enchantement d'arbalète. S'il était 4, j'aurais réfléchi. Et j'aurais checké si je l'avais pas avant. C'est quoi comme chiffre? C'est un 8 ou c'est un 0? Je crois que c'est un 0, mais je suis pas sûr. Faut que j'aille vérifier. Tous les lits sont utilisés sans exception. Désolé de vous réveiller les mecs, mais... Ah, il a 26, le moins efficacité ça. En théorie, s'il y a un trait là, c'est-à-dire que c'est à 0. Après, le truc, c'est que c'est un enchantement de merde aussi. J'ai pas envie de mettre une réduction sur un enchantement aussi quelconque. Ouais, mais c'est quoi, l'enchantement il est vraiment quelconque, donc en vrai je m'en branle. Faut que ce soit sur un enchantement utile, sinon ça vaut pas le coup.
Ah lol. Va jouer ailleurs, toi. Je dois parler à faire avec lui. Après, j'ai peut-être une idée de ce que je pourrais faire. En mode, genre... les villageois comme ça. C'est des villageois, je me dis ça, que je les garde genre une fois, tu vois. Genre, je les... Juste pour un trade. Et genre, je prends les pires enchantements de la planète. À un, du coup. Mais dans l'idée que je vais dans l'idée que je vais les utiliser pour une ferme par exemple, ça peut être une idée. Plutôt que de me casser la tronche pendant une heure, parce que du coup le malédiction de disparition que j'ai eu tout à l'heure, bah à un moment donné il le faudra bien en livre celui-là, donc Affinité aquatique je l'ai déjà. Et j'ai un enchantement qui ne sert pas des masses. Non plus. Où en étions-nous? Non, ça m'intéresse pas. Nope. Peine à trouver quelque chose qui m'intéresse. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Capitaine Flamme. C'est protection contre le feu et ça a l'air d'être à 18. Je vais checker si je l'ai ou pas, protection contre le feu. Parce que je dirais en mode, ouais, vas-y, let's go, ça passe. La chance de la mer, infinité. Efficacité 5, affinité aquatique. Raccommodage, châtiment 3 pour un prix exorbitant, puissance 5. Protection 4. Densité, empalement, fortune, tranchant, butin, puissance. Toucher de soi, tranchant. Fortune, empalement, efficacité, solidité. Ouais, ça me paraît pas déconnant, ça me paraît ok, tout ça, tout ça. Ça me paraît être une affaire raisonnable. Il a changé ses traits, le connard. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb, il a switch. Oh, j'ai jamais vu ça, putain. On est reparti pour un tour. Let's go! Thank you.
Malédiction du... Ah bah tiens. On en parlait de ce genre de conneries justement. J'en parlais justement de ce genre de conneries où je me disais tiens ça pourrait être... Alors, je l'ai payé une émeraude, hein. Je l'ai payé une émeraude, j'ai vraiment l'impression de m'être fait arnaquer, c'est ça qui est drôle. Mais bon, je l'ai payé une émeraude, ça va. Malédiction du lien éternel. Ah, en vrai, Bad, il a bien bossé, hein, n'empêche, j'ai l'impression. En tant que je vois en quoi, j'ai l'impression qu'elle a quand même bien baissé la colline. Hein. Ah ouais, de zinzin en vrai. Oui, il fait tellement plus basse qu'avant. Bon, quelle est la prochaine étape ? Ce villageois, je vais le garder en sûreté parce que j'ai un plan d'avenir pour lui. Il faudrait que je trouve deux autres villageois zombies random que je retransforme et dont je m'occuperai un peu plus tard. Ok, parfait, j'ai tout récupéré, maintenant on va pouvoir planter les graines. Là, parfait, nickel. Ça, on va ranger ça à l'intérieur. Ça, là, on va le mettre aussi. J'ai l'impression qu'il y a un milliard de choses à faire et qu'on n'a jamais le temps de tout faire. C'est la fameuse loi de Minecraft. On n'a jamais le temps de tout faire. En tout cas, les bottes de paille, ça nous sera utile. C'est clair.
Ok, yes, ça va être à ton tour maintenant. Ok, nice. Donc, toi, pour le moment, tu vas rester ici. Et en gros, l'idée, ça va être d'en retrouver exactement deux comme lui. À deux villageois zombies random que je pourrais... que je pourrais récupérer. Un petit problème technique là. Le coffre il est plein. Il faut que je fasse quelque chose pour ça, mais on verra ça plus tard. Je procrastine de tous les côtés, ça ne va pas du tout, mais bon, tant pis hein. Même toi tu as de l'utilité. Lui, ça a l'air d'être un tanneur. Je vais essayer d'identifier les villageois zombies que j'ai. Parce que si j'arrive à savoir lesquels j'ai, bah du coup, si j'ai des doublons, je pourrais plus facilement m'en débarrasser. Enfin, j'aurais moins de scrupules à me dire, ok, ouais, c'est... Bien Tanner. Je vais noter du coup les villageois zombies que j'ai. Pour ça, il faut que je retourne. Alors, on va aller dans Minecraft. Structure Minecraft 100%. Alors, ça n'a rien à voir avec les structures, mais du coup, on va noter... Liste villageois zombie. Enfin, zombie villageois plutôt. Alors, pleine de points. Oh, remarque, je peux faire ça, ouais. Pleine de points. Et j'ai du coup le tanneur. J'ai le villageois zombie tanneur. Et j'irai checker celui d'en bas plus tard. Si par exemple j'ai deux villageois zombies tanner, bah ça sert à rien d'en avoir deux quoi, un seul ça me suffit. Du coup moi mon but ATM c'est de trouver des villageois zombies et de voir si je peux pas les isoler. J'ai préféré partir et m'isoler. Les gars, comment vous dire, je suis désolé. On m'a clairement échappé. Alors comme un tombé, j'ai tout foiré. Et tous les jours je pense à arrêter. J'en fais des mains. Non, culé. Bon là du coup ce que je cherche c'est des villageois zombies, clairement. Ou des mobs un peu rares. Je me sers de la nuit pour essayer de trouver des mobs rares. À un moment donné, il faudra que je m'éclate à setup
Pour me fabriquer un paratonnerre et à me dire vas-y, let's go, on s'éclate avec la foudre. Cache-œil. Regardez celui qui a un cache-œil, lequel c'est. Il me semble que c'est le forgeron. C'est soit le forgeron d'outils, soit le forgeron d'armes. C'est un des deux, forcément. C'est forcément un forgeron, un mec, un type qui a un cache-œil. Je dirais forgeron d'armes, de mémoire, mais je peux me tromper. Petite pute. Aucun des deux qui a un cache-œil, comme ça au moins c'est clair. Est-ce que... Ah, alors, celui qui a un cache-œil, c'est le forgeron d'armes. J'en étais sûr. Forgeron d'armes. Fantôme. Wesh. Ils m'ont attaqué dans l'eau, les salauds. Je les avais oubliés dans mes calculs, ceux-là. J'ai essayé de farmer le plus de membranes possible pour être sûr d'en avoir assez, parce que plus j'aurai de membranes et moins j'aurai besoin de récupérer les fantômes par la suite. Toi, c'est vrai que je t'avais pas, je t'avais oublié, toi. Ah, c'est lui le tanner, je suis con. Je suis un peu bébête, moi, des fois. Ok, un zombie normal. Wesh, le troupeau de fantômes. Je sais pas si je m'éclate à buter des fantômes maintenant ou enfin à capturer des fantômes maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on les repère assez facilement avec leurs yeux fluorescents. Ils m'ont perdu de vue, les fantômes, ils savent pas où je suis, hein. Ça se passe, bah ouais, ça se passe tranquille, hein.
Ça se passe, j'ai récupéré mon stuff, je suis reparti. J'ai pu finir de looter le truc. Et là, j'essaye de capturer des mobs rares. Attends deux secondes. Ah, t'as dû packer une dinguerie, toi, à tous les coups. Alors, t'as packé quoi comme dinguerie? Oh, joli! Joli, joli. Joli, la légende. C'est un mec qui a joué où exactement? C'est Mataos? Bah, j'ai joué pour ta légende, hein. Échangeable ou non échangeable? J'ai pas fait gaffe. Ah, je me doute, mais échangeable ou non échangeable celui que enfin, ta légende là. Je l'ai eu dans un vieux pack à 35k. Ouais, bah c'est quand même pas mal quoi. 35k, c'est pas non plus rien. C'est pas mal, c'est big. C'est un gars, il jouait où? Je le connais pas ce mec là. Ok, ok, ça vaut 2 millions. Ah bah tu... Ouais, du coup, si... Ah. En Allemagne, par l'époque. Ouais, j'imagine, ouais. C'est un Allemand, en plus. Du coup, tu vas te faire... tu vas juste rentrer des Allemands ou c'est en mode tu vas vraiment faire une équipe Ligue Allemande? Il va mourir avant de me tuer ou pas? Ouais, avant de m'attaquer, ouais, il est mort avant de m'attaquer. Tant pis. Ils sont chiants les creepers à aller dans les bateaux comme ça. J'ai cook une hybride allemande espagnole parce que j'ai pas Koundé et Tchouaméni. Ah, nice. Stylé, stylé, stylé. Il joue où Tchouaméni à ATM? Koundé est toujours au Barça, j'imagine. Je vais aller check l'autre villageois zombie qu'on a. Et de savoir de quel type il est, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un standard, est-ce que c'est un... On verra. On a le bébé villageois zombie, c'est vrai. On a le bébé... Et l'adulte... Ah, l'adulte, c'est le pêcheur. Ok, stylé. Pas mal, pas mal. Merde, je viens d'où? Moi, c'est là-bas? Ah oui, c'est là. Il joue à TM, enfin, Tchouaméni et Koundé, c'est où les clubs? Koundé, c'est le Barça, j'imagine. Ah putain, faut que je... grade de zinzin. Ah, quelle horreur. Ah putain, fuck. Real et Barça, ouais. Ah oui, c'est vrai, Tchouaméni, il est au Real, j'avais zappé.
Alors du coup, t'as qui joue en ligue? C'est quoi le reste de ton équipe? C'est des joueurs un peu connus ou... Peut-être des noms que je connais, j'imagine, dans les joueurs que t'as. Ah, j'ai vraiment les jambes qui grattent, mais qui grattent fort, quoi. Je viens de penser à un truc. Ok, membrane de fantôme, on en a beaucoup, ça fait plaise. On a pas mal de trucs qu'il faut, c'est chouette. Là-bas, on a un spawner à zombies et il me semble que dans les spawners à zombies, ça respecte les conditions de spawn normales. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des villageois zombies. Et si on peut avoir des villageois zombies, ça m'intéresse beaucoup. C'est le truc que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite, donc je vais le faire. C'est pas le truc maintenant qu'il faut faire, mais bon. Je fais ce que j'ai envie. C'est ma map, je fais ce que je veux. Oh, c'est Faucheur qui a creusé ce tunnel. Il va falloir penser à installer les escaliers lorsque c'est n'importe quoi. Oh, quelle. Oh, la purge que c'est de descendre son truc. Wesh, le. Il y a bien du cuivre ici. Alors ça. Giga grotte là. D'accord. Bon, pour revenir, on se creusera la tête plus tard. Attends une minute. Ah d'accord, c'est le mineshaft du coup. Les détails techniques, bon, fuck, enfin, je cherche pas à comprendre. Les détails techniques, c'est pas trop mon délire. Non, on arrive vraiment pile dessus, quoi. Ah oui, d'accord. Je vois, je vois. C'est bien, au moins il y a des torches partout autour, donc si ça spawn, ça peut spawn quasiment qu'à l'intérieur. Même si j'ai un doute sur le fait que la luminosité soit assez faible. Je vais remettre une torche là pour éviter les problèmes. Oh, elle m'a droppé un lingot de fer. Suuuuh. Gagner un peu de place. C'est bien en plus s'il y a de la place autour si jamais j'ai envie de faire des carabistouilles. C'est cool. Une carotte, comme c'est aimable. Je sais pas s'il est tombé pile dessus ou quoi, mais c'est assez drôle. À mon avis, il a dû arriver par là, j'imagine. Y a peut-être pas assez de place, c'est pour ça que ça galère à spawn. Il spawn qu'un à la fois. Peut-être pas plus mal, remarque, mais bon. Oh! Purée. Il faut pas tomber là-dedans.
Il y a peut-être pas assez d'espace pour que ça spawn davantage. Je pense essayer d'agrandir un peu la zone. Derrière, il m'a droppé ses bottes. La bonne blague. Pour l'instant, il n'y a que un à la fois qui spawn. J'ai presque envie de récupérer presque envie de récupérer la pierre moussue qui est là et la remplacer par la cobble en mode gros rat. Oh, il y a de l'or. Me tourner en direction du spawner, comme ça je serais moins surpris. Ouais, c'est un par un qui spawn, ça me fait bizarre de voir, il y en a qu'un seul à chaque fois. Faut pas être pressé n'empêche, hein, quand on voit avec quelle cadence ils spawn. Ils sont pas pressés les petits pères. Hein.
Bonjour. Au revoir, monsieur. Bon, je pense que je vais peut-être pas faire ça jusqu'... Ah si, je vais peut-être faire ça jusqu'à la fin. En vrai, si, je vais le faire. Parce que je suis un fou. Donc la technique c'est genre de les mettre comme ça pour que ça aille. Ah ouais, on dirait que c'est ça. Moi ça me forme vraiment vite les chairs putréfiées, mais bon c'est pas non plus comme si c'était l'item le plus important de l'année quoi. J'aurais checké un truc concernant la difficulté. Voilà. Peut-être que ça spawnera plus. J'aimerais bien qu'il y ait plus de... What? Pourquoi j'entends un bruit? D'endroit ailleurs où il pourrait spawn quand même. Non, ça me paraît impossible. Ouais, ça se trouve, peut-être ils apparaissent derrière, j'en sais rien moi. Bah non. A priori, c'est pas possible. Putain, il a mis des torches partout, le faucheur. Il nous aura quand même laissé un truc utile, même s'il n'est pas resté longtemps. Oui, il spawn qu'un par un, c'est pas normal frère, ça a été patch ou quoi? Avant ça spawnait par 3. Même les blazes ça spawn par 3. À mon avis c'est pas comme ça que j'aurais des villageois zombies hein, vu le train là, auquel ça spawn. Je pense que je perds mon temps et que ça sert à rien. Je vais remonter à la surface. Oh, ça va prendre 1 million d'années, c'est 1 million d'années. J'allais dire une connerie, mais non, c'est... ça va juste prendre 1 million d'années, c'est tout. Oh, c'est une purge de remonter ça. Pas savoir si le noir que je vois c'est pour dire qu'il fait nuit ou si ça a rien à voir.
Ok, il fait nuit. Ouais, bon, du coup, ça semble pas être un bon plan. Ça spawn pas et je sais pas pourquoi. Enfin, ça spawn pas. Ça spawn, mais genre un à la fois. Je vais pas aller. Ah putain, ils m'ont fait flipper ces petits connards là. T'aurais peut-être passé la nuit, il pourrait avoir des problèmes. Je vais me mettre pile là, comme ça ils vont se coincer quand ils vont m'attaquer. Ah. Une araignée avec un effet de potion. Bon, les araignées avec les effets de potion, je sais pas s'ils sont permanents. Du coup, j'ai la flemme d'en capturer une et qu'au final, ça sert à rien. Donc, je préfère attendre. De toute façon, la probabilité de les trouver, c'est pas si rare. Donc, c'est pas... Ça devrait aller, quoi. Ils sont encore là, eux. Oh, ils sont morts. J'ai récupéré quand même pas mal de trucs sympas au final. J'ai de l'or brut, j'ai du cuivre brut. J'ai un disque. On avait déjà ce disque, forcément, c'est un des deux disques de base que tu trouves partout. J'ai de membrane de fantôme. J'ai la poudre à canon, j'ai la chair putréfiée. J'ai des carottes. D'ailleurs, j'ai eu deux carottes en tuant des zombies. C'est assez marrant, je trouve. Ce que j'en fais plus tard. Faudrait que je check un truc concernant ce zombie. Je sais pas si c'est possible pour lui de ramasser les trucs en étant dans un bateau. Et si oui, bah j'aimerais bien lui donner un casque. Genre ça c'est parfait. Yes, parfait, nickel. Comme ça, moi, je suis sûr qu'il disparaîtra pas vu que je lui ai donné un truc. Et je me doutais qu'il pouvait le prendre vu qu'il tenait déjà une épée. Donc ça, c'est nickel.
Je commence à sentir que j'ai quasiment rien grail de la soirée. Oh, il y a des noces ici. Des noces. Il y a des noces. La chair putréfiée. Youhou! Une poule. Petite envie de chocolat. What the fuck? Il s'est passé quoi là? Eux, j'en suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire ici. J'ai envie de faire eux deux qui forniquent en boucle pour me fournir d'autres villageois. J'ai raté mon kiting, je me suis pris deux coups, je me suis fait déchirer. Et voilà. On va peut-être refarmer un peu les émeraudes, mais j'ai un peu la flemme aussi. Oui, voilà.
Pardon, veuillez m'excuser, c'est très impoli de ma part. Excellent. Excellent. Ah, mais c'est excellent. Zombie là-bas, il me fait trop gaulerie. En mode, je vais te niquer, gros, je vais te péter la gueule. Ici, il y a des petits mobs qui traînent. Salut! Moi, on pourra pas dire qu'on manque de poudre à canon si jamais on a besoin de faire des feux d'artifice. Ça dégage. Ah, c'est un gaucher, lui. Un gaucher avec un arc enchanté. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Lol. Bon, c'est la nuit. La nuit sur le point de tomber. I'm looking for special. Special mob only. Je vais manger un peu parce que j'ai plus de bouffe. Bidou, 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 bidou. C'est pas des squelettes ou des araignées tout seuls qui doivent apparaître, c'est l'un sur l'autre. L'un sur l'autre, ce serait parfait. Ah, fantôme. C'est qu'ils sont doués, hein. Ils me ratent pas, les vilains.
Alors le coup du squelette qui a deux doigts de détruire le bateau dans lequel se trouve le zombie que j'ai moi-même mis, c'est à mourir de rire. Ouais, je pouvais la renoncer. On dirait qu'ils ont la flemme de me chase aussi loin. C'est marrant. J'aimerais bien trouver des villageois zombies ou des combinaisons. Oula, ils sont 4. Sorcière. Le temps de m'empoisonner, la chagasse. A pris bien cher, mais bon, j'ai bien vu la barre de mon bouclier descendre, mais genre bien, tu vois. Un petit villageois zombie qui traîne. Un mob un peu rare. Je vais dormir pour couper le cycle des fantômes. Ça m'évitera qu'ils me spawnent dessus.
Et merci le sang. Ouais, bah finalement, j'ai eu quelques mobs un peu sympas à un moment donné, mais bon. C'était pas trop ça après. Je vais ranger ce dont j'ai besoin là. Tac, 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 tac. Coquille de Nautilus. On a beaucoup des coquilles de Nautilus, dis donc. Bon. Bah écoutez, moi les gars, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai bien aimé cette petite session de reprise. Moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Je vais raid quelqu'un juste avant le cut. Et bah voilà, du coup, bonne soirée à vous, bonne nuit. Ciao les amis, bye!